Salut les gens, c'est Slan. On se retrouve sur Total War Saga 3 avec Ulysse et on est en défense pour le moment. En défense, bon, ça va pas durer énormément la défense. On va évidemment aller chercher ça, puis basculer de l'autre côté. Pourquoi basculer de l'autre côté? Oui, pourquoi? Pourquoi quand on sait que Pylos a beaucoup moins de provinces en fait que l'autre? J'aurais tellement plus intérêt à venir directement ici en fait. Et à laisser l'autre éventuellement venir sur moi, mais bah évidemment, lui, il faudrait l'affronter si on peut. On va voir ça. On va déjà voir comment sont nos ennemis. Alors, négocier avec nos ennemis. Ok, les Acadiens sont 9 en force, c'est-à-dire qu'ils sont plus forts que moi, vu que moi je suis 17. Pylos, c'est 90e, il n'a plus rien. Donc, le problème, c'est que lui, il a 10 et 20. Il a les deux, hein. Donc je pense qu'il faut vraiment que je fonce sur Pylos pour revenir m'occuper des Acadiens. Parce que si j'ai deux armées, si je lui laisse le temps de refaire une armée, je vais jamais m'en sortir. Je lui laisse le temps de refaire une armée, je laisse le temps à l'autre, je laisse le temps à l'autre. Il faut choisir l'un des deux en premier. Et celui des deux qu'il faut choisir, c'est probablement le plus faible. Quitte à faire la paix avec les Acadiens après, hein. I hope this isn't one of your tricks. Oh! Ou tout de suite! Hein. Oh. Alors, tu viens de sauver ta ville, mon gars. Tu viens de sauver ta ville. Le temps que j'aille détruire ça, je reviens, je te défonce. Je suis vraiment désolé, les gars. Non, je vais pas te défoncer finalement. C'est bien eux que je vais attaquer en premier. Parce que c'est plus facile d'attaquer le pourtour. Et puis c'est des provinces. Et puis surtout, l'Acadien, c'est que des provinces internes. Regarde, t'as rien, en vrai, t'existes pas. C'est génial. Bon bah go, on se casse. On va direct là-bas, non? Quoi, franchement, je vais avoir zéro de régène pour tout ça. Ok, ah, je suis à moins 352, j'ai pris personne. Bon bah c'est la vie. N'empêche que... Dans ce cas-là, tu vas aller faire la guerre. Tu vas quand même aller faire la guerre. Tu vas quand même suivre le... On y va, diplomatie. Accord rapide. Oh, 10 avec les Arcadiens. Tu veux un traité de non-agression? Tu sais quoi, je te le fais. T'as beaucoup de bronze, mais moi, ce qu'il me faudrait, c'était pierre. Donc... Excellent, 390, 382 plutôt. Une, bon, bravo. Un pacte de non-agression. On était en guerre. C'est le même tour. Il nous a déclaré la guerre. Et il fait un pacte de non-agression, le mec. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mycène. On a une alliance défensive. Et un pacte de non-agression? T'as besoin d'un pacte de non-agression quand on fait une alliance défensive? Non, c'est pas compris. Pity. Une alliance défensive. Sparte est toujours pas dans le tas. Je comprends rien à Sparte. Alors, Ioni Corinthien, non. Athènes, Ioni Corinthien, Curette, non plus. Traité de paix avec Pylos, même pas en demi-rêve ou en quart de rêve, en tout ce que tu veux. Ici. Il est temps pour nous d'aller faire une prière à Aphrodite. Non. Au prochain tour. 190, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On continue le temple, hein. La priorité au temple, on est d'accord, hein. Tu es en train de construire un temple, là. Oui. Oh, du coup, on peut faire ça. Oh, que du bonheur. Que du bonheur. On construit tout ce qu'on devrait pouvoir. Non, il faudrait construire ça aussi, bien sûr. Et ça aussi. Et ça aussi, non, on a plein de trucs à construire. Pourquoi il est en haut, lui, au lieu d'être en bas? Ah, c'est les gros en haut. Et les petits en bas. Ok. Bon, et ça, t'as tout ce qu'il te faut, ouais. Et ça... Ah, mais je peux avoir des escarmoucheurs à payer ce lourd. Et les coureurs à la lance, maintenant, ça rigole plus. Faudra quand même que t'en fasses, gars. Myrcinos, on n'a rien à monter là, tout ça.
sur plus. Au prochain tour, je peux monter ici normalement. Hein. Et ici, bah aussi. Mais ici, je vais pas le faire. Hein. Dis pour les géants sont très bons. Hein. Mais franchement, on va réfléchir à l'intérêt d'aller plus haut en tout cas que ça. Hein. Ça, c'est pas très cher. Je vais le faire pour voir les géants. Par contre, je vais probablement pas courir après les champions géants. Ils sont bons, hein, mais courir après, ça me paraît compliqué. Ok. L'intérêt d'investir là-dedans est nettement moindre que de l'investir par exemple à Pylos, qui est un port. Mécène, on aura les centaures et là les centaures. On a vu à quel point c'était intéressant d'avoir des centaures. Le petit bonhomme là. Ah là, le petit bonhomme. Go. Plus de traités, plus de fric. Alors, ramène-moi l'oseille. Attends. On va direct passer derrière. Toi, t'es déjà en train d'aller chercher ça, Yos. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est ça. Ici. Voilà. Encore des pierres, s'il te plaît. Quoique. Quand on a plus de bois, ce qu'il faut, c'est du bois. Ouch. Franchement, c'est mal payé tout ça. Hein. Je mérite mieux que cette considération. Je veux que l'on me considère en tant que tel. Référence. Je sais que vous savez. Attends, parce que il veut un droit de passage aussi, le monsieur. J'ai vu qu'il me redonnait 5 points pour un droit de passage. Ce coup-ci, tu vas me redonner des pierres. Ce coup-ci, franchement, je pense que ce sera moins cher. Dans 72. Ok. On a toujours zéro. C'est parfait. Là, on perd de la nourriture. C'est volontaire, hein. On perd de la nourriture, mais on a 33 tours d'avance et on va augmenter notre nourriture. Faut le recruter, faut qu'il puisse se déplacer. Il faut qu'il fasse une autre armée. Et surtout, il faut qu'il me protège. Parce que maintenant que je vais m'éloigner, je pourrais très bien me faire agresser par un gars surgit de là-bas, là. Ou même lui directement, la Ioni. Et après tout, j'ai refusé de faire un pacte de non-agression avec lui. Et il a de. Pote. Mycène est attaqué par Paris de Troyes, mais j'ai un pacte de non-agression. Et ça va me faire Mycène Paris. Je vais perdre des points là. Les Corinthiens? Mais je suis en guerre contre eux là du coup? Contre qui je suis en guerre? Attends. Yoni veut faire un pacte de non-agression. Déjà ça je refuse, gars. Traité de paix contre 1600 bois. Tu m'échanges deux villes contre 1600 bois. Pardon, mais non. Commerce étranger. Alors, conclure un accord d'échange et la diplomatie. Mais tu te fiches de moi là avec tes missions? Commerce. Commencer un rituel d'hécatombe. Réussir une action. Réussir n'importe quelle action d'agent. Conclure un accord d'échange. Garder deux provinces sous contrôle, soit directement, soit par le biais de vaisseaux. Mais c'est que des missions que j'ai faites depuis 3 siècles, gars. On est déjà au tour 14, hein. Ma vie, elle vient pas de commencer. Bon, alors finalement, je suis en guerre contre qui, là? J'aimerais bien comprendre. Ah, alors contre Corinthe, mais finalement,
pas Ion ni Athènes. Ça, c'est intéressant. Parce que ça veut dire que je pourrais peut-être attaquer Ioni. Mais Corinthien, Athènes viendrait. Oui, certes, mais en même temps, je suis déjà en guerre contre Corinthe. Bon, donc il me faudra bien une troupe pour me défendre pendant que je descends. Et je vais courir là pour le moment. On y va. À toute vitesse. L'espion, t'as intérêt à aller vite aussi. Bon. Moins 274. Donc c'est trop tôt pour faire des unités. Sinon on va passer dans un système d'endettement infernal dont nous ne ressortirons jamais. Athènes et Ioni sont prêts à faire des accords. C'est très beau, c'est très beau. Voilà, j'ai pas beaucoup d'amis, hein. Et des créas royaux. Du coup, les constructions, on y va. Excellent. On peut pas faire ça là. Oh là 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 là. 210, oui. 1465 pierres, le deuxième niveau. Mais tu veux ma mort, j'ai que 200 moi. Je peux pas faire ça dans tous les 7 tours seulement. C'est même pas en rêve. Et pourtant j'en demande hein, de la pierre. Et pourtant j'en demande de la pierre. On fabrique quoi ici? Du bronze. J'aimerais mieux qu'on fasse ça ici là. Qu'on attende le prochain tour pour faire ça. Est-ce que je pourrais au prochain tour faire ça si je fais ça quand même maintenant? Oui, je pourrais. Donc on va le faire. Et au prochain tour, il faut que j'aille choper la pierre qui est ici, là. Là. Bah non, c'est dans 3 tours. Pas dans un tour. Donc je pense qu'on fera la nourriture ici, d'abord, dans un premier temps. Et on a aussi... Et puis on aura un port aussi à faire, finalement. Pour de la nourriture, encore une fois. Parce que les guerriers insulaires à la massue, là, en fait, je m'en tape un tout petit peu. Bon, bah on arrive sur Mécène, puis sur Pylos. Ou Pylos d'abord. Avant que Pylos se renforce comme un malade. Parce qu'en fait, c'est à Pylos qui recrute. On va foncer sur Pylos. Et en plus, ça me permettra de me débarrasser de mon agent pour qu'il aille à Sparte. Faire le refuge dont j'ai besoin pour avancer dans mes missions de carrière d'Ulysse, on va dire. Bien, tout cela se goupille bien pour le moment parce que je me fais pas backstab. C'est pour ça que ça se passe bien. Parce que dès qu'on va me backstabber, ça va se passer mal. On m'a déjà attaqué en traite, mais ça s'est passé très bien. Une petite prière, s'il te plaît. Oui, c'est trop mignon. C'était une démission, c'est ça? Probablement, oui. Faut que je fasse une hécatombe aussi. Aphrodite, petite prière. Pour la croissance, c'est toujours bon. Pour le teint. Quand est-ce que t'as fini ton temple, toi? Dans un tour. Et ça va me rapporter quoi? Plus 150 faveurs, ça va me faire 450, donc 440. C'est pas mal, je serai à l'abri hein, au niveau de la célébration. Et ma prochaine prière me rapportera plus 20 en relations diplomatiques. Et quand on sera passé à 600, vous l'avez compris, ça sera plus 30. Hein, c'est la méthode Sarpedon qu'on applique ici. C'est parti. Non, reviens en arrière. Ouais, il aura quand même avancé un peu. Tout ça pour voir le même gars, quoi. Accord d'échange avec Locride. Quoique non, là. C'est pas Locride, ça. C'est qui, ça? C'est les Corinthiens? Ok, c'est les Corinthiens, là. Excellent. Un accord d'échange, le crit, ça sert tellement à rien avec toi. Mais je vais te le faire parce que j'en veux pas de mon bronze. Par contre, tu m'as pas compris, tu vas me payer beaucoup plus.
Voilà, 226. Je vais faire que 100. Oui, donc tu vas me donner un peu moins, je le sais. Genre 150, même pas 144. Ça me va. Traité de paix. Je vais te faire une contre-proposition. Tu me donnes ça. Et il n'y a pas de... Non, bah tu vois, tu veux pas. T'es mesquin. Je voulais juste savoir si ça marchait. Bon, les Corinthiens, le problème, c'est qu'ils sont là-bas. La cité radieuse améliorer un bâtiment de colonie à un niveau maximum. Une unité d'élite dispo au recrutement. Youpi! Description, commerce étranger. Youpi! Prière entendue, Aphrodite. Nouveau culte en hausse. Divorce Leucos. Motivation moins 5. Pas grave. Recruter un héros. Bingo! Bah dis donc, on en gagne des trucs. Donc on va pas là-bas. On va descendre ici dans un premier temps. J'aimerais bien voir une nouvelle faction tout de suite, tout de suite, tout de suite pour faire des échanges. Des échanges. Vite, vite, vite. Oui. Je te vois et tu me vois, Félix. Nous voilà, nouveaux amis, maintenant. Qu'est-ce que tu as de beau à me donner? Déjà, tu as 428 pierres à me donner. Et 5 or. 4, 3. C'est dur. Voilà. Oh, tu veux aussi un ce truc de passage. J'ai aucune raison de refuser, tu sais. Même si ça n'est que 33 bois. Très bien, accord rapide. Athènes, Ioni, Antéade. Let's hear it then. Un nouveau pote. 13 si je fais les deux en même temps. T'as pas de bois, t'as pas de pierre, tu te fiches de moi? Tu trouves que t'as trop de bronze? Ouais, ça me fait une belle jambe. Oh non, mais attends, moi je chine pas pour 300 là. Oh, Max, c'est bon. 560, 575. Ouais, parfait. Allez, zou. Very nice. Athènes, Ioni, Curette. Ioni, Étolien. Curette, Hespéria. Alliance défensive. Pithys et Sparte que j'aimerais bien revoir dans la liste un jour. Confédération, il y avait peu de chance. Traité de paix, je suppose qu'il y a quelqu'un qui veut signer un traité de paix avec moi. Que c'est grave pas le problème. Voilà, ensuite on y va. La prêtresse, elle va faire que de chi pour l'instant. Donc, elle pourrait aller explorer. Vous êtes qui, vous? Les curettes encore? Il y a encore des curettes. Bah, j'aurais su. Les étoliens et les curettes. Si je fais une vraie armée ici, je pense que j'irai m'en occuper. Mais par contre, vous avez combien? Vous 18 gars. Ouais, ça rigole pas finalement. C'est pas des comiques. Rappelle-moi les missions que tu veux que je fasse. Influence, gloire éternelle, épopée du héros. J'ai recruté un héros, gars. C'est fait. C'est déjà fait. Tout cela est bien beau, mais voilà, on a des bonhommes à bouger. With Athena's blessing. Ouh, ouh, ouh. On fait ça là, peut-être. Peut-être, peut-être, parce que là.
Il y a des choses à faire ici aussi. Plus de bronze, c'est ça? Plus 20 de bronze. On va commencer par ça. Et évidemment, hein, plus personne ne veut faire quoi que ce soit. Du coup, on va revenir ici. T'es toujours volontaire? Eh ben, c'est très bien. Tu vas me faire plus de bois en fait, c'est ça? Ah ouais, tu vas me faire plus de bois. C'est pas. T'es pas transcendant, mais tu vas me faire plus de bois. Il est où mon gars? Le cos, celui qui bouge jamais là. Bah continue. C'est parfait. La diplomatie, on a vraiment fait le tour. Faut... Oh, bah non. Des fois vous me dites, oh, mais tu l'as déjà fait et tout, mais en fait non, hein, mais en cours d'épisode ça peut bouger. Tu estimes que t'as trop de bois? La paye en bois. Si t'as trop de bois. Moi je trouve que t'as aussi un petit peu trop d'or. Donc 30 or, ça va bien. 425, 420, 415. 30 or, c'est toujours ça. En fait, finalement, je vais te prendre que du bois. Non, non, non. Il me faut aussi les pierres. Non, les pierres, 200 maintenant, c'est assez. 265 par tour. Il me faut plus que 2 tours pour arriver au truc. Le bois, par contre, j'ai plus rien là. Okay. Et alors, faut qu'on dès qu'on peut en prendre un petit peu, il faut. Allez. Oh, Mycène voudrait faire un vrai pacte d'agression des gens. C'est très mal, je ne fais pas ça. Et Sparte, j'ai pas compris pourquoi je peux pas basculer de mon. Peut-être parce que ça rompt le traité de non-agression ou je sais pas. En fait, à vrai dire, je comprends pas du tout, Sparte. Ici. Ici. Plus en rendre recrutant, plus roi de chance de succès. Poséidon immunisé contre l'usure en haute mer, j'en ai rien à faire. Plus haute perte du. Hop, 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 hop. Rien d'intéressant là-dedans non plus, c'est à faire en dernier cours tout ça. Go! Ouais, je sais qu'il n'a pas été déplacé. On va le décocher. Je te décoche, mon ami. C'est parti. Et ce coup-ci, on va prendre une ville. On va prendre Pylos. Et venir se coller à notre allié spartien. On lui aura volé cette partie qui se trouve entre nous. Non, mais il n'y a pas d'accord où je donne de l'or. Mais il y a zéro accord avec de l'or. Je vous comprends pas. Des pierres en échange de bronze, j'en veux pas moi de ton bronze. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux. C'est moi qui donne du bronze, tiens. Bah non, t'as rien. Je vais te filer une salade. Mange ta salade. Y a pas d'accord avec de l'or. Déjà pour commencer. Bah déjà, même sans l'or, t'es d'accord, toi. Ensuite, ici, moi ce que je te propose à la place, c'est du bronze. Mais tu estimes que le bois ça vaut aussi cher que ça, que c'est 10 fois plus cher que le truc. Donc, je vais t'expliquer, je te file une salade et rentre te coucher avec ton accord. Mais je suis quand même content de t'avoir rencontré. Notre il passe chez nous, il a peur de rien. Hein. Excellent! Il y a combien de bonhommes là dans ton. T'as 3 missions. Motivation, c'est critique, le cos, ouais, je sais. Signer un pacte de non-agression. Mais je l'ai fait. Non, je dois le faire, mon Dieu. Faction détruite, les Corinthiens? Et Ozolian? Nom de Dieu! C'était Hesperia, c'était pas les Corinthiens. Waouh! Ça a piqué là. Donc on va commencer déjà par vous séditionner. Avec succès.
Et ensuite, je viens vous défoncer avec ma super armée. Et comme je suis un petit malin, je vais quand même faire un siège. Parce que pourquoi pas. Là, pour le coup, j'ai rien à perdre. Et ça me permettra au prochain tour de prendre la ville. Et en plus, derrière, de me faire une petite régène dans la foulée pour repartir direct. Donc, je gagne un tour. Puisque sinon, j'aurais probablement été obligé d'attendre deux tours de régène après un gros siège comme ça. Toi, tu veux recruter une unité d'embuscade exemplaire. Et pourquoi tu peux recruter cette unité exceptionnelle? Tu te fiches de moi? T'as une unité d'embuscade exemplaire. Eh ben, recrute un gars. Et ensuite, les frondeurs à Caire, moi j'aime bien. La coureur à la lance et les escarmoucheurs épéistes lourds. On parle quand même de trucs. Alors, les coureurs, je vois que c'était cher en bronze. T'étais hyper cher. T'es juste hyper violent, quoi. Alors, ta violence, c'est bien, mais ton coût est beaucoup trop cher. Tu vois, lui, il est cher, mais il consomme pas plus que les autres après une fois qu'il est payé. Donc, on va passer à moins 400 plus le frondeur. Voilà, on va passer à moins beaucoup. Mais derrière, bah on aura au moins une bonne petite défense au cas où on se fasse agresser ici. Parce que 3 épéistes lourds plus un bonhomme, ça vient bien compléter une garnison. Et puis on va compléter, hein, on va trouver un moyen de faire de la nourriture. C'est un moyen virtuel pour l'instant parce que j'ai pas d'idée. Si, voilà, j'avais une idée. 1700. Bah oui, il me faut encore 1500. Pourquoi pas. Ma prêtresse. Coucou toi, Cassopéen. Hop là, on va voir ce qu'on a. Hein. Ici. Zeus, une petite hécatombe, tiens. Paf, pour te monter à 410. Plus une petite prière. C'est plus 15, hein. Ah, et c'est plus 20. Plus 5, 10, 15, 20. Bon, bah écoutez, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Puisqu'on va pouvoir aller. Ouh, gloire éternelle, gloire à moi. Mythique dispo au recrutement. Oh, une unité mythique. Et c'est quoi ton unité mythique? C'est quoi là? Une unité mythique dispo au recrutement spécial. Bah je la vois pas. Désolé de te dire que je la vois pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ici? Mon espion, il a encore pris du grade. Moins 50%, moins 5% aux chances de succès des espions ennemis. Moins 20% de coup d'action, c'est bien ça. 5% de chances de neutraliser les adversaires. Et là, 5% de dégâts de poison à toutes les unités. Derrière, 5% de dégâts à toutes les unités, plus 10% de dégâts aux garnisons. Ah bah c'est ça qu'on va aller chercher. Encore une fois, on va tenter la garnison. Hop là. Bon. T'es en rébellion toi? T'as l'air d'un rebelle. T'as l'air d'un rebelle. Diplomatie, accord rapide. Bien, Épirote et Athènes, vous voulez faire des trucs. Yoni veut plus de toute façon.
Parfait. Personne ne veut faire quoi que ce soit avec moi. Je boude. Je vais aller me chercher des nouveaux amis pour la peine. Ok, est-ce qu'on va là? Pas vraiment, non. On va plutôt aller directement ici, de ce côté-là. Et après, on glissera vers là. Oh. Après, on glissera vers là, on fera le tour ici. Ok, pas de nouvelle faction à négocier. Non. Eh ben, on va passer ce tour. Et on va aller prendre Pylos. J'aimerais bien avoir une vraie deuxième armée, mais on n'est pas du tout en état de la d'y venir. Mais pourquoi? Pourquoi des accords où je paye plus cher que tout le monde? Prends une salade. Les Béotiens. Mais vous avez l'impression que je manque de bois, c'est ça? Je manque pas de bois, je dépense tout mon bois tous les tours, c'est tout. Mange ta cerise et laisse-moi tranquille. Prière entendue à Zeus. Un agent épique est apparu. Activité de l'agent hostile. Super, bon. Le recrutement légendaire, ça devait être... recrutement spécial, ça devait être ça. L'unité pourrie qu'on m'a refilée autour d'avant. Hein. Ouais, moins 572, on va se calmer, mais c'est correct, hein, on est dans les clous. Suffit de faire de temps en temps un petit accord à 5000, puis on n'en parle plus. Et là, on arrive au bout, par contre, hein. Très bien. C'est quoi ces événements? Mon espion, il va refaire le... Non, il a pas le droit. Moi, je continue les explorations. Paf. Et ensuite, toc, toc, toc. Puis je retourne là-bas. Ou toc, toc, non. Toc, 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 ici d'abord. Je pense qu'il vaut mieux que j'aille ici, comme ça. Essayer de la voir, puis revenir ici, puis après faire demi-tour. Voilà, et maintenant on va essayer de faire le tour. Voilà, bon. Le coup c'est reprendre la motivation, donc tout va bien. La diplomatie, accord rapide, ça va mieux à plus 15. Ouh, la lycée, Sarpedon. Nourris-moi de ta chair, je veux dire, nourris-moi de ces 53K de bouffe. Là, va falloir réfléchir, on va simuler plusieurs accords. Hein. Premier accord, full bois. Oh, 2398, non. Le vrai score, c'est 2305 bois. Ouh. 10 000 nourritures. Ou 8 000 nourritures. Franchement, je prends les 2300. 65, c'est ça? 2305 bois. De toute évidence, ça va me permettre de progresser beaucoup plus vite. Non, 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 calmez-vous. Qui d'autre? Épirote, Rod. Vas-y. Envoie-moi de la pierre.
650, 680, 670 pierres. Excellent. Suivant. Athènes, Triopion. Franchement, avec un nom pareil. Et une voix pareille. On y va. Tu veux passer chez moi, il paraît. T'as de l'or, il paraît. 200 or. Ouais, je me doutais que tu voudrais pas pour 200 or, mais tu sais. On peut signer à moins, on peut signer à 160. Alors, je sais que l'or, j'en ai pas besoin tout de suite, mais en fait, si, vous voyez, ça baisse un peu quand même régulièrement. Il y a toujours ceci, cela, un petit bâtiment qui coûte ceci, qui coûte cela, etc. Donc, faut se méfier. Et surtout, le jour où on en a besoin, on l'a pas. Et on peut pas l'inventer. Et dans les accords, ils vont pas vous le donner. Donc, dès qu'on voit un mec qui a l'or en rouge, eh ben, on lui prend tout ce qu'on peut. Je suis tellement concentré à parler que j'arrive pas à faire mon accord. Ah oui, c'est en même temps parce que c'est voilà. Non, attends, j'ai oublié un truc. Puis moi du bois aussi. 5 bois. Understood. Bah quoi? Athènes, Ioni, Curette et Pirate. Bon bah là, ça non, on est d'accord, hein, c'est ce que non. C'est ce que non. Athènes, t'es allié à Ioni. Ioni, t'es allié à Athènes. Et Pirate, t'es allié à Cassopéen. Bon bah pour l'instant on n'attaquera pas Epirote. Du coup autant le faire payer. 1800. Ah, apparemment pas non. ...770, 775, 785, 9. Athènes, Ioni, Curette. Hesperia, à qui on a déjà un truc, right. Veut passer chez Let's nous. Negotiate. Donc, au point où t'en es, file-moi du bois, toi aussi. Du bois, allez, 600. Ah, d'accord. T'es radine hein, pour un territoire aussi grand. Parce que, quand même, hein. Of course. Hesperia, t'as quand même 3 villes. C'est pas à la portée de tout le monde. Les étoliens. Tu me files du bronze, ouais. Pof. Et si je te prends tes 21 or, tu vois, tu ni vu ni connu. 1500 de bois, 400 de bois. Même pas, tiens. 204, 270, 265. Ioni, non, Arcadien. Ouais, on peut faire un truc à 2,5. Faut que ce soit rentable. Hein. Autant dire, file-moi de l'or du coup. Bah écoute, c'est rentable. Trois heures pour moi ça me plaît. Alors c'est tout, pas d'autres personnes. Alliance défensive, la pitié, c'est très intéressant. Confédération personne. Ok, le chemin vers la paix, je suis heureux de tout cela. Qui d'autre? Le héros locos n'a pas été déplacé. Merci de ne pas me mettre de notification. Comme tu peux le voir, je t'ai demandé de ne pas me mettre de notification. On va aller voir avant. Ouh, ça pique. La nourriture en premier. Les pierres, ça pourrait être sympa. Avant la nourriture. Plus de pierres, parce que j'achète régulièrement des pierres. Et si j'en gagnais 500, 600 par tour, j'aurais moins besoin d'acheter régulièrement des pierres, par contre. Ici, il n'y a rien à faire. Là, on vous a rien proposé, non? On est au max de tout. On
Voilà, moins 172, on peut vivre avec pour le moment, et c'est ce qu'on va faire. C'est le moment de lancer l'assaut. Ça m'a l'air pas mal, on a l'air bien. Hein. La question c'est est-ce que je lance l'assaut ou pas? Parce que je peux. Ouais, mais ça affecte que la garnison, c'est ça. Parce que je peux détruire presque la garnison. Pour cela, il me suffirait d'utiliser mon agent qui a peu de chances d'arriver. Les engins de siège, j'en ai rien à faire. On revient en arrière. On repart au siège. Ouais, mais si je romps pas le si je romps le siège, ça me fait reculer, non? Ok. Je recule un petit peu. J'utilise mon agent. Succès. Et ce coup-ci, c'est la bataille. Yes! Franchement, oui. Je la fais comme ça. Elle va pas être fun à regarder, donc je vais pas vous la rediffuser. Mais je la fais comme ça. Parce que si je la mets en automatique, il va trouver moyen de me détruire des unités. Une ou deux, mais il va trouver moyen de me les détruire. Suis content que l'espion ait réussi. Et pour autant, est-ce que ça sera facile, les prises de ville? C'est jamais facile. Mais voilà. On la connaît, cette ville. Cette ville, elle a une faiblesse ici. Il le sait. Je le sais. Nous le savons. On a mis tous nos frondeurs bien visibles ici. Face au héros. Ici, on a mis juste notre héros et éventuellement dissimulé dans les broussailles quelques hommes de main. Et on se dirige tranquillement à un petit pas de loup, seul, face à toute son artillerie. Mais regardez, tout cela est bien abîmé suite à la bataille d'hier. Et aujourd'hui, on a juste à se mettre là et à tirer tranquillement sur les troupes qui sont au-dessus pour les forcer à descendre. Et c'est ce qu'elles font. Ils s'en vont. Je dirais bien qu'on est hors de portée des tourelles, mais il n'y en a pas de tourelles à cet endroit-là. Pour autant, il ramène un héros. Il va être temps pour nous de foncer tranquillement sur les portes pour les ouvrir. Lui, j'arrive pas à le déloger. Hein. Regardez-moi ça. Toutes ces flèches qui partent dans le vent. Allez, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu l'auras pas. Regarde. Ils sont tous cachés, les là. C'est des trouillards. Essaye de déloger le frondeur. En plus, les mecs là, ils ont leur bouclier levé. Allez, on abandonne. De toute façon, on a presque plus de flèches. Vos guerriers attaquent les portes. Allez, on s'en fiche, on y va en solo. Et on va ouvrir cette porte tranquillement. Et ensuite, on va monter. Les portes ennemies ont Voilà, été on détruites. monte là-haut. Et on L'ennemi a avance. repéré vos unités dissimulées. Et Ulysse Vous monte êtes sur le là-haut. point de capturer les portes. L'idée, c'est de virer tout le monde. Le problème, c'est qu'il a monté ses deux héros. Allez, nous, on s'installe en Vous bas. avez capturé les portes. On a capturé les portes, ça sert à rien du tout. Parce que non seulement elles sont ouvertes. Par contre, Ulysse, ça va pas bien. Super Saiyan. Effectivement, il y a les deux héros dans le coin, là, c'est tendu hein, quand même. Hein. On est obligé de faire une rude bataille. Pendant ce temps-là, nos frondeurs sont toujours là-bas. Allez, sur les murailles, ça commence à le faire. On utilise notre sort de soin, et franchement, il est bienvenu, parce que Ulysse va mal. C'est le moment de fuir avec Ulysse. N'a plus de munitions. Hades a parce que là, on a un autre héros qui monte. Allez, il est en fuite. On le poursuit. On va essayer de le tuer. Surtout, ce qu'il faut pas, c'est qu'il reprenne son moral. Ulysse, il lui reste quelques flèches. Ok, on a pris position. Et on est en train de s'avancer avec nos unités d'embuscade sur le héros. Et on va faire une charge massive sur lui, hein, pour lui descendre son moral et puis le forcer à partir. Voilà. Allez, on va essayer de le tuer. Il reste plus que deux unités ici. On envoie nos unités d'embuscade. Nos géants. Bang!
prends-toi ça dans la figure. Pour autant, c'est pas fini. L'idée, c'est de tuer le héros nous-mêmes pour essayer de récupérer ses troupes, hein. Ses objets. Parce que si vous le tuez dans la bataille, vous avez plus de chances de récupérer des objets à la fin. Donc voilà, c'est terminé. Là, on va pouvoir s'arrêter. Je suis en train de me rassembler pour essayer de faire le dernier soin, mais je n'avais pas la possibilité de le faire parce que je n'avais plus de rage. C'est terminé pour cette bataille. Alors mon héros a pris cher, mais en même temps, c'est le moins grave. Hein. C'est celui qui se régénère à la fois le plus vite et qui peut très bien ne pas avoir beaucoup de points de vie. Hein. Il en a beaucoup, même quand il n'en a pas beaucoup. Or, bronze, nourriture, expérience, que des belles choses. Non, on va occuper celle-ci. C'est la prochaine qu'on va piller. Guerrier d'exception trouvé. Bataille de Pylos. Ennemi tué au combat. Des objets. Voilà. Plus 20 relations diplomatiques avec les Achéens. Il est énorme. Plus 50 à la croissance dans la province locale. Go, 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 go. Direct, 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 direct. Le cos. Équipement. Prends ton seau. Et prends la pétasse aussi. Et. Non. Voilà. Pylos, mécène, TG, matinée. Ah. Mais c'est qui a ça? Les Arcadiens qui ont les deux autres, c'est TG et matinée. Ça doit être ça. D'accord, donc effectivement, les Arcadiens, vous avez que des trucs qui servent à compléter les miennes ou les futures miennes. Pour autant, ici, bah, on va régénérer tout ce qu'on peut. Voire plus. Et pourquoi tu fais pas le truc? Tu peux pas le faire? On peut rien faire. Tant pis. Alors, bah écoutez, ça va régénérer pas mal. Nos troupes auront suffisamment régénérer. Je pense qu'on fera un deuxième tour à cause du jeu. Non, on va foncer. On va évidemment foncer. On va pas s'occuper de ça. Ah, du coup, toi, l'espion là. D'accord, bah non, t'as rien à faire. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié qu'il a fait une deuxième fois le truc. Et pourtant, c'était la clé du succès. Derrière, diplomatie. Accord rapide. Athènes, Unicurette. Confédération. Alliance défensive. Traité de paix. Ah oui, je suis en guerre contre Paris de Troyes. Mais ça va attendre un petit peu, Paris. On fera la paix avec toi plus tard. Les petits bonhommes qui doivent bouger. Compétences pour Lucky, pour Ulysse. Compétences de niveau 8. Prière à Apollon. Plus 10% aux dégâts des projectiles à unité à lance-projectile dans l'armée du héros. Oui. Plus 3% à l'expérience des unités lance-projectiles dans l'armée du héros. Oui aussi. Plus 6% à la portée des unités lance-projectiles dans l'armée du héros. Il vaut mieux probablement 10% de dégâts. À la portée des javeliniers. Plus 7% à la portée des archers. Ouais, ça c'est que de la portée, ça. C'est de l'expérience. Voilà. Quoi d'autre? D'abord, on va ici. La première qu'on améliore, c'est ici tout le temps. Là, on manque de bois. Là, c'est pareil. J'imagine qu'on va manquer de bois pour tout ça. Deux bois, deux pierres. Apparemment, on peut pas faire de nouvel truc. Donc, on passera notre tour. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite.